seulement à Énergie. Tout juste 16 heures dans les 60 prochaines minutes. Deux sketchs parmi les meilleurs de l'histoire du retour de Dominique et Martin. On va également s'entretenir avec Michel Côté concernant le film De Père en flic, que l'on pourra voir à compter de ce week-end. Mais pour l'instant, on va rejoindre notre vice-président chez Énergie, André Lallier, qui est à mes côtés. Et qui a une grosse nouvelle à nous annoncer. Il y a un grand sentiment d'excitation dans toutes les stations du réseau Énergie au Québec parce que ça fait 3 semaines qu'on nous dit on va annoncer quelque chose de gros, mais absolument personne qui le sait. Alors, c'est ce, maintenant, là, vous on, allez nous dévoiler. On a réussi à garder le secret, Denis. Oui, bravo. C'est quand même incroyable à la radio. Surtout dans un milieu comme le nôtre, effectivement. Tout à fait, oui. Alors, en fait, c'est une première. C'est pour la première fois, un groupe radio francophone canadien va s'associer à une marque mondiale. En fait, je suis vraiment très heureux et fier d'annoncer qu'Astral Radio a conclu un partenariat exclusif avec le groupe Énergie en Europe pour l'exploitation de la marque Énergie au Québec par l'entremise, évidemment, de nos 10 stations à travers le Québec. Donc, pour toi, tu es dans la radio, évidemment, tu connais sûrement très bien le groupe Énergie, qui est un groupe fort, important et prestigieux en Europe. Donc, le groupe Énergie, c'est essentiellement, ils sont essentiellement présents en Europe, dans 14 pays. Le 15e sera évidemment le Canada. C'est 17 millions d'auditeurs quotidiennement qui écoutent le groupe Énergie en Europe. Alors, c'est vraiment majeur. Comme nos stations à travers le Québec sont des leaders en humour et en musique et en divertissement, essentiellement dans tout leur marché. Donc, l'avantage, évidemment, là-dedans, c'est qu'on partage en plus la même identité sonore. Donc, Énergie, évidemment, vos stations Énergie vont continuer de s'appeler Énergie. Par contre, la différence, et là, c'est le bout, c'est visuel, il faut le voir. N-R-J, voilà, au lieu d'Énergie, l'appellation complète. Donc, on est très content de ça, évidemment, parce que notre marque est une marque qui est appréciée. C'est une marque qui a beaucoup de notoriété à travers le Québec et est très appréciée de nos auditeurs. Donc, c'est une association qui est naturelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le groupe Énergie, c'est un des plus gros producteurs de spectacles en France. Par exemple, Madonna débarque à Paris, débarque en Europe. C'est Énergie qui produit les spectacles de Madonna. C'est Énergie qui produit les spectacles de Green Day, de U2. Évidemment, les Énergie Music Awards qu'on connaît tous, qui se passent une fois par année à Cannes, qui est un événement excessivement prestigieux dans le cadre du MIDEM. Donc, tous ces événements-là, évidemment, nous, on va y avoir accès et on va pouvoir faire des promotions. On a des billets qui sont pour nous, parce qu'on fait partie du groupe Énergie avec ce partenariat-là. Donc, on va avoir des billets pour faire des promotions pour ces spectacles-là et pour ces événements-là. Ajoutons à ça aussi, évidemment, que évidemment, toi, tu es très au courant, mais U2 lance un nouvel album. U2 débarque dans les studios Énergie en France et font une entrevue exclusive. Alors, c'est le genre de contenu qu'on va avoir maintenant accès en ayant cette fenêtre-là sur le monde. Donc, on reste une radio, évidemment, qui est très locale, branchée sur sa communauté, mais avec une vue sur la boule, sur le village global. Voilà ce qu'est la nouvelle. Donc, c'est excessivement excitant parce que ça va nous donner du contenu exclusif, du contenu international. Et donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle pour les auditeurs. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas l'image de marque d'Énergie, je vous invite d'aller sur notre site web à partir de là. Le nouveau visuel d'Énergie est là. Donc, il va être exploité à partir du début de la prochaine saison. Et c'est vraiment une image spectaculaire qui est tout à fait en lien avec les valeurs de la marque d'Énergie ici au Québec. J'aurais vécu un autre grand moment dans ma carrière. Je suis bien, bien content d'être ici, mon Dieu! C'est vraiment une bonne nouvelle. Merci, André Lallier. Un plaisir. Alors, radioénergie.com pour plus de détails. Et pour l'instant, en musique, voici Flipside et When It Was Good.